L'arbitre du combat, referee in charge, Alain Villeneuve. Mesdames et messieurs, voici maintenant 12 rounds de boxe pour le championnat WBU des poids lourds. And now, here is 12 rounds of action for the WBU Heavyweight Championship. D'abord, dans le coin bleu, portant la culotte noire et blanche et pesant 250,8 livres. Introducing first, fighting out of the blue corner, wearing black with white trim, he weighed in at 250.8 pounds. En 7 combats professionnels, il a 6 victoires, 5 par KO, with a professional record showing 6 victories, 5 by knockout in 7 bouts. Please welcome from Victoria, BC, Canada, Adam the Boogeyman Brainwood. Son adversaire dans le coin rouge porte la culotte noire et pèse 253,8 livres. Across the ring, his opponent fights out of the red corner, wears black trunks. He tipped the scale at 253.8 pounds. En 18 combats, il a 11 victoires, 7 par KO, 1 verdict nil. His professional record shows 11 victories, 7 of those coming by way of knockout, 1 draw in 18 bouts. Accueillons de Québec, le champion canadien 2013 des poids lourds. Former heavyweight champion of Canada, Eric the Hammer Martin Bowie. Un gars de la place, beaucoup d'ambiance. L'arme fatale de Boogeyman Brainwood, sa main arrière, le direct de sa main. Gentlemen, receive my information about the fight. Obey my command on time. Protect yourself. Good luck. On est prêt? Right. Prêt, spot. Oh, 253 livres, 250 livres, des bonhommes de 6 pieds, 3, 6 pieds, 4. Ouf. 88 rounds en carrière pour Martel, un petit 12 rounds. Pour Brainwood, qui vient de s'engager dans un combat de championnat de 12 rounds. Incroyable. C'est prévu pour 12 rounds. Gagerais-tu, je sais pas, moins quelques dollars que ça va se rendre à la limite? Ouais, c'est ça. C'est, écoute, il n'y a aucune chance? À la limite, là, les chances sont très, très minimes. Effectivement. Et pour Martel, plus le combat va être long, meilleures ses chances vont être. Martel a une occasion incroyable avec un titre mineur d'apparaître à quelque part dans les classements. On a vu Don Collette du Nouveau-Brunswick, représentant de la WBU. La WBU a été mise sur pied en 1995 par John Robinson. Malheureusement, il est décédé par la suite. Dans les grands champions, on a George Foreman, qui était le premier champion chez les poids lourds. Et on a eu des champions comme Tommy Hearns, comme Mickey Ward, et surtout Ricky Hatton, qui a défendu ce titre-là à 15 reprises. Mais c'est une association qui est quand même restée dans l'ombre des 4 grosses autres associations fortement reconnues. Alors, on s'étudie, Brainwood a une seule chose en tête, c'est le coup de circuit. Vous avez vu ses premiers élans qui n'ont pas touché la cible. Ça va ressembler à ça, et s'il touche, ça peut faire mal. Ai-je besoin de le préciser? Et pour Martel, qui arrive n'importe quoi, il faut que le combat se prolonge. Plus le combat va se prolonger, plus ses chances vont être grandes. Et pour Brainwood, lui, c'est cette main droite a été payante depuis le début. Belle rapidité ici de Martel. Pour un poids lourd de 253 livres, regardez comment il se déplace. Ses mains sont un peu basses, mais c'est un boxeur, c'est un athlète qui est très agile. Lui qui a livré un 12 rounds qu'il a perdu par décision unanime, Martel Baoli, à son avant-dernier combat, alors qu'il se battait en France. Alors, il s'est battu pendant 12 rounds il n'y a pas si longtemps que ça. Ça remonte quand même en mars 2016. Oh, il y a un petit déséquilibre. C'était pas le fruit d'un coup, mais plus d'une espèce de corps à corps, d'une poussée de Brainwood envers celui qui porte le nom de le diminutif de Bao sur sa culotte. À Brainwood, là, de ses 7 combats, ils ont tous été au Shoss Convention Center à Edmonton. Il n'est pas sorti de cette place-là avec peut-être 1 000-2 000 personnes dans la place. Il arrive ici ce soir, c'est beaucoup de pression pour un boxeur qui n'a pas eu une grande carrière amateur, juste seulement quelques combats. C'est certain que pour Martel, là, il y a un avantage marqué au niveau de l'expérience de sa boxe, ça sert. Ouais. Donc, lui, ce qu'il faut faire attention à cette main droite-là, là, qui est un... Si le surnom de Hammer, c'est Martel Baoli qui l'a, il demeure que le marteau, c'est
Redwood qui l'a dans la main droite. Si, ou si lui, c'est un homer, l'autre, c'est peut-être un Diro. On va voir à la fin de la soirée, là, mais... Redwood, qui est hésitant, plus centre du ring, mais n'a pas foncé, n'a pas avancé non, beaucoup. Non. A laissé Martel se déplacer. Presque pas de coup à toucher la cible. Les seuls qui ont touché la cible, finalement, c'était Martel, qui est allé chercher ce round-là tranquillement. On sent que c'est un combat qui peut basculer en l'espace de quelques secondes. Là, pour l'instant, ça manque peut-être d'action au vu des spectateurs. Mais j'ai pas l'impression que ça va être un combat qui va se dérouler à ce rythme-là pendant tout le long, là, pendant toute sa durée. On s'est étudié, puis c'est normal. T'as-tu vu comment il est prévisible? Tu sais, il veut juste essayer sa main droite demain. Là, Rick, quand tu vas le faire manquer sa main droite, tu vas me doubler ton jab, tu vas écrire ça de main droite. Là, il faut commencer à le faire réfléchir. Faut que tu le touches solidement. Un coup, tu l'as touché solidement, step back, puis on tourne avec le jab, puis on tourne du côté de ça. But this is good. I'm just saying, when you start to see those openings, take that little step, cut it off with that left hook. Good. Start touching them. On veut le surprendre avec la gauche. Lui, il va surveiller la droite. Puis effectivement, il l'a tenté sans son crochet de gauche au premier round, mais a raté la cible dans les tout premiers moments. Et Martel qui s'éloigne, lui, en tournant de cette main arrière, donc pour être sûr de ne pas être atteint par elle. Donc, des ajustements, est-ce que ça va être productif d'un côté comme de l'autre? Bien hâte de voir ça. Alain Villeneuve, l'arbitre de ce combat. C'est reparti, deuxième round. Un titre WBU. En jeu. Alors, Braidwood qui sans doute voudra toucher la cible, là. Au moins une reprise, parce qu'on a vu quelques tentatives, mais on a senti du vent, de l'air. Si, Braidwood, comme tu l'as bien dit, là, il dit... tourne par là, essaie son crochet de la main avant. Jusqu'à maintenant, heureusement, ça n'a pas eu d'impact. Martel Baoli, qui est agent pour un centre jeunesse, là, agent d'intervention. Donc, c'est une vedette, lui, pour les jeunes ici. Dans la ville de Québec. Oh, attention! Oh là là, il s'est ouvert! C'est bien se protéger. Ça en est bien sorti. Beau crochet de la main arrière. Beau mouvement ici de Martel qui nous a montré sa qualité de boxeur. Et là, la bagarre vient de commencer officiellement. Ouais, c'est ça. Là. Les messages ont été lancés. Oui. Redwood, là, il va chercher le trouble, ça sera pas là. Ouh. Tu veux pas tomber dans ses pattes trop longtemps. Je veux pas sous-estimer Martel Baoli non plus. Non, mais Martel Baoli qui a une belle qualité de coup de poing. S'il réussirait, lui, à placer des coups régulièrement. Mais Braidwood, le temps qu'il sera occupé en défensive, il ne sera pas dangereux en attaque. 7 knockouts, ouf! 7 knockouts en 11 victoires pour Martel Baoli. Tel qui va bien, bouge bien, le boxeur, c'est lui. Braidwood qui a le centre du ring, mais ne fait pas beaucoup d'action. J'aurais pensé qu'il aurait pensé un peu plus pour couper le ring à Martel, l'empêcher de se déplacer, ce qui n'est pas le cas. Et là, ça donne l'occasion à Martel d'avoir des plans. Là, de pour ceux qui pensent que ça va durer 12 rounds, Bernard, regardons les informations qu'on n'a pas d'écran. Il y a une petite moyenne de 1 round, 0.7 par combat, alors que Martel, lui, c'est près de 5. C'était solide sur la cible. Mais je vais te dire une chose. Ça fait quelques coups de puissance qui ratent la cible de la part de Braidwood. Et on est tous curieux de voir comment Martel Baoli va l'encaisser si jamais Braidwood touche la cible. Parce qu'il semble y avoir quand même... Moi, j'ai l'impression que le jab de Martel peut faire une différence. Si Martel utiliserait son jab, on sait qu'il faut neutraliser la main arrière de l'adversaire. Et si sa main arrière est occupée en défensive, bien, à ce moment-là, c'est des gros points pour toi, là. Donc, il devrait utiliser son jab plus souvent. Il vient de le faire. Jab direct, bang, bang sur la cible. Et Braidwood, lui, qui suit à la trace. Et aussi, le jab de Braidwood, mais Martel, avec son expérience, est protégé. Bon round pour Martel ici. Les coups sur la cible, c'est lui qui les a portés. Encore large crochet, un peu main ouverte de la part de Martel. Voilà, alors tranquillement, la nervosité, parce que j'imagine qu'il devait y en avoir un peu avant le combat, là, quand tu fais face à un défi de cette ampleur-là. La nervosité s'en va tranquillement. Je ne sais pas si on peut parler d'atteindre une zone de confort, mais on va écouter dans le coin. Un round à foi, c'est 2-0 pour nous autres.
juste à pas te faire toucher, that's it. C'est une façon de voir les choses. Oh, c'était large d'un côté comme de l'autre. Heureusement, les coups n'ont pas touché la cible. Et Martel a réussi avec un petit uppercut de la main avant. Et là, c'est belle Sigrid Martel, 1-2 sur la cible. Rick, en fait, c'est ton jab. Et quand tu réussis à le faire... C'est intriguant de regarder un combat comme celui-là parce qu'on sait très bien qu'avec la puissance qu'il y a derrière chacun des coups, que c'est pas un cliché de le dire, là, que ça peut prendre fin à tout moment. Ah oui, oui. Un seul coup de poing sur la cible, les lumières se ferment et on passe à la finale. Oh, il y a un coup de tête, je pense, dans le retour, non? Et là, Bradwood est conscient. Là, que, il veut se lancer en attaque, tu l'as vu bondir de son coin. Je pense que ça va être différent. Ça, là, pour que ça y aille, que ça y aille plus vite. Là. De toute façon, lui-même là, doit savoir que ça va pas prendre 12 rounds. Là. Il y a quelqu'un qui va faire mal à quelqu'un dans ce combat-là. Et le plus vite sera le mieux dans son cas. Là. Dans son cas aussi, tu connais une grosse pression sur Bradwood, première fois qu'il se bat à l'extérieur. Et ça, c'est de la pression. Il a une petite carrière amateur de rien. Il arrive chez les professionnels. Et il n'est jamais sorti de son centre de convention. Il arrive ici, là, ouf, c'est pesant là, comme pression. Et avec un boxeur d'expérience comme Martel, pas facile à manœuvrer. Là. Si tu lui fais pas mal à Martel, il va te faire mal pareil. Oh, bon crochet ici de Bradwood, mais heureusement, Martel était déjà en retrait, donc l'impact n'a pas été majeur. Bradwood qui va, on sent qu'il veut engager le combat davantage, plus de immobile avec son corps, veut se donner des angles. D'un autre côté, Martel Baouli bouge bien, il est conscient aussi. S'il en donne trop, là, on s'en va, lui, il s'en va pour un marathon. Là. Il n'a jamais couru ça, un marathon. Donc, c'est pas comment ça va aller. Là. Donc, il hésite. Il est hésitant à travailler en combinaison, pas laisser trop d'énergie et tomber tout seul rendu au 6e ou au 7e round, comme George Foreman contre Mohamed Ali au Zaïre. Ah, Rumble in the jungle. Quel souvenir. Martel Baouli respecte tout à fait le plan de match et Bradwood lui attend toujours l'occasion de frapper le coup de circuit. Et là, tant que Martel va bien bouger, frappe et bouge, donc se met en sécurité. Bradwood, qui sait que Martel surveille sa arrière, il va avec un crochet, mais encore là, on voit techniquement, c'est pas beau. Non, t'as raison. Le crochet, un peu là, c'est... on est loin là, d'un transfert majeur, comme il serait supposé d'être. Et... c'est un boxeur qu'on peut considérer encore comme très novice. J'ai tendu un piège avec une petite feinte, là. Martel Baouli. Martel Baouli qui est considéré comme 7e WBU dans le classement. Et Bradwood, dans son cas, est 9e. Et le titre est vacant, là, le titre pour lequel on se bat ce soir. Raison pour laquelle on a des gens. Et il l'avait dans les câbles. Il n'a pas lancé sa main arrière, Bradwood. Ça veut dire qu'il respecte inquiet, les contre-attaques? Il est inquiet. Il n'est pas sûr de son coup. Et Bradwood ici qui sourit, a été touché. Par l'avant-bras. Ouais. Parce que c'est pas le gant qui a touché la cible. On est dans les derniers moments du round. Et l'autre élément intriguant dans le cas de Bradwood, c'est son cardio aussi, parce qu'il a l'air en pleine forme au plan musculaire. Mais je veux dire, un gars qui dit des combats qui durent deux rounds. C'est certain. Bradwood a fait une fois quatre rounds dans sa courte carrière. Et là, l'impression que ça va en terrain connu, là, ça va dans le désert, mais c'est vrai, il va faire chaud. On va sûrement chercher une oasis, Mario, et ça sera pas une oasis de paix. On travaille l'hydratation. On veut pas que Martel Baouli, qu'Éric entre dans une guerre de coup pour coup avec Bradwood. Hein? On veut qu'il respecte le plan de match parce que plus on se sent confiance, plus on a envie peut-être d'en donner. Back, 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 back. A little bit back.
Alors, Brentwood qui est prêt à bondir pour ce round, et même l'officiel Alain Villeneuve le dit, recule un petit peu. On est toujours un peu inquiet dans le cas de Martel Baouli, qui a visité le tapis à quelques reprises durant sa carrière, plus particulièrement dans le combat de championnat canadien en 2014 contre Dylan Carman, où à plusieurs reprises, il s'était retrouvé au tapis pour finalement perdre par knock-out au 7e round. Donc, on a toujours cette peur-là, là, à un moment donné, que les lumières se ferment dans son cas. Le Brentwood veut une bagarre, là. Martel Baouli, de ses 6 défaites, il y en a 4 dans le knock-out. Est-ce qu'il est coupé Brentwood à la tête? Est-ce qu'il est peut-être... C'est plus un genre de graphique, on peut dire, d'éraflure sur la joue. J'ai vu quelque chose au-dessus de l'œil gauche, mais peut-être que je fais erreur. On va... Et là, Brentwood là, qui dit « Ah ouais, viens, on va se battre. » Lui, là, son caractère de méchant vient de prendre le dessus. Ah! Joueur de football, qu'on disait? Oui, joueur de football. Et là, la ligne de mêlée, on cherchait le corps arrière. The last and the first time. Oh, yeah. The next time you push, you disqualify. Oh, yeah. Right. Fine? Yeah. Alors, c'est assez clair comme recommandation. Eh oui. C'est pas une partie de football, c'est au bout du point, il faut que ça se règle. Tu l'avais bien vu, une coupure au-dessus de l'œil gauche pour Brentwood, et le combat est jeune. Oui, absolument. Mais là, Brentwood a envie vraiment d'enclencher le mode guerrier. Il en bave. Voyons comment il va réussir à atteindre Martel Baouli, parce que ça sera difficile. Mais Martel Baouli réussit à éviter le piège du coup, mais... Oui. En quelques secondes, ça peut virer de bord. Heureusement, c'était pas solide. Il faut que Martel Baouli évite de lancer trop large. Juste avec des coups directs, il pourrait le garder à distance. Donc, il faut qu'il se serve de cette main arrière le plus directement possible. Ouf! Oh, la main arrière, c'est Brentwood. Ça a passé proche. Lui a touché, Je pense qu'il l'a atteint. Attention! Martel Baouli va-t-il faire face à cette tempête-là? Ça sort de partout, il veut répliquer. Il tente d'immobiliser Brentwood. Une clé de bras de Brentwood à Martel Baouli. Oh, et Brentwood a dépensé beaucoup d'énergie, là. Il a dépensé beaucoup d'énergie, c'est là! Oh, bonne gauche de Martel Baouli! Et là, ouf! Ça vient de changer de style de combat. C'est ça, je disais, à tout moment, ça peut vraiment basculer. Et là, Martel aura sa chance, là. Bon gros corps de Martel! Martel, maintenant, encouragé par les mots! Est-ce que Brentwood a encore du jus? Ça y va! Là, Brentwood semble prendre plaisir à manger des coups. Oh là là! Attention! Martel pourra-t-il résister à ça? Il devra répliquer 5 secondes au round. Et là, Martel Baouli est vraiment dans le trou. Alain Villeneuve met fin au combat. Est-ce qu'il y a eu la cloche? Honnêtement, on n'a pas entendu la cloche. Est-ce que c'est terminé? Oh, quelle rafale de Martel Baouli! Est-ce qu'on a entendu la cloche? Non. Personne n'a entendu la cloche. Est-ce que c'est un arrêt de l'arbitre? Non, c'est... Wow, quelle confusion ici. Même Brentwood se demandait s'il n'avait pas gagné. Et les deux étaient... Martel Baouli regardait au ciel, on l'a vu. Il nous faisait face, tournait le dos. Mais nous, on l'a pas entendu, mais elle a sûrement été là, parce que sinon, la régie serait intervenue. Donc, la cloche a sonné, et Martel Baouli est en train de récupérer. Regarde la tête! Quelle fin de round pour Brentwood, qui a payé la traite à Martel Baouli, mais qui a poussé aussi. Ah, ça, c'est quand il sort du ring. Ça, c'est quand il a sorti du ring. On a vu, là, le joueur de football. Oh, là, maintenant, avec sa tête en plus. OK, ça, c'est pas la fin. OK, là, c'est la fin du round. Mais là, Martel Baouli se met dans une situation où il ne peut plus... Et là, c'est un coup qui fait très mal. Et là, la cloche a sonné. Avant vie. À ce moment-là, cette intervention-là... La cloche a sonné. La cloche a sonné. Il met fin au round. La cloche, ce que nous n'avons pas attendu. Et là, le médecin, maintenant, qui surveille l'œil de... Oh, c'est quand même une coupure, quand même... Je vais quand même amener ce commentaire-ci, Bernard. Oui, parce qu'il est quand même grave. Éric était presque knocké, là, à la fin du round. Es-tu d'accord? Et là, le docteur Marc Gagné a dit à l'arbitre de bien surveiller ça. C'est une coupure importante.
Et là, Brad Wood va les gens donner. Sont debout ici parce qu'on n'a pas l'impression que ça va finir dans beaucoup de temps parce que, ouf! Et là, Brad Wood va tout donner. Là. Il sait, là, premièrement, ça, un, sa condition physique, pas certain de se rendre si loin. Deuxièmement, sa coupure. Oh, donc, Martel a sa chance. Là. Martel, il faut qu'il demeure dans le combat. Des élans pour, évidemment, pour des knock-outs de la part de Brad Wood. C'est venu des deux mains. Martel Baoli qui marche, qui récupère sans doute de ce qui était un semi-knock-out. Là, Martel Baoli qui est venu à une seconde ou deux de perdre ce combat. Oui. Il est encore là. Sauvé par la cloche, c'est le cas de le dire. Oh oui, sans aucun doute. Enfin, une cloche qu'on n'a pas entendue, mais que l'officiel Villeneuve a entendu, lui. Heureusement pour Martel Baoli, d'ailleurs. Et Martel Baoli, pas ici. Non, pas tombé sur un... Boxe! Ah! Boxe! C'était pas un compte de 8, ça? Non. Il avait glissé, il avait trébuché. Il n'y avait pas de problème avec ça. L'arbitre a pris une bonne décision. Et là, Martel Baoli devrait se servir de son jab. Ben là. Oui, il cause beaucoup d'ennui, mais je le sens vulnérable. Il devrait se tenir prêt. Un compte de 8. C'est un compte, là, maintenant. Oui, ça, c'est un compte. On sent que c'est difficile. Il est ébranlé depuis la fin du round. On n'a pas récupéré de ça. Max! Et ça se poursuit. Pour combien de temps encore? Le sang coule sur le visage de Brad Wood. Oh, une gauche! Martel Baoli qui est abonné au tapis! Et va-t-il se relever? 4, 5, 6, 7, OK. Et le combat est arrêté! C'est terminé! Porte ce combat contre Martel et Brad Wood dans les terres de Martel Baoli. Quelle grande victoire pour lui et quelle défaite cruelle pour Martel Baoli qui devra revoir toute sa carrière avec son entraîneur François Duguay. On a senti qu'il vivait sur du temps emprunté dès la fin du round précédent où il a été sauvé par la cloche. Alors, victoire de Brad Wood, le favori local, ne l'emporte pas. Brad Wood qui s'en vient se mettre à genoux devant son adversaire. C'est un gars qui... Tu me fais la place? Brad Wood, avec seulement 7 petits combats en carrière, vient de remporter le titre WBU. Seulement 12 rounds en carrière. Et le public se lève pour l'applaudir. Les gens apprécient. Le cœur y était pour Brad Wood. Le talent, moins, mais le cœur y était. Très puissant, Brad Wood. C'est sûr qu'on sent que c'est quand même limité. S'il devait affronter un gars de calibre, là... On va le revoir. On va le revoir, ben oui. On va le revoir même ici. Ben oui, mais c'est sûr c'est que t'as envie certain. De le revoir. Moi, j'ai envie de le revoir. On a des boxeurs comme Oscar Rivas, comme Simon King, qui vont sûrement être très intéressés rapidement. Simon King, oh wow, ça pourrait être intéressant, ça. Brad Wood, je pense, vient de prendre un ticket pour... Et je sais pas si tu es un amateur d'art martiaux mix, mais cette dame, c'est Sarah Coughlin. C'est sa blonde, sa conjointe. Et elle a combattu dans la UFC. Oui, je l'ai vu ce matin au gymnase de l'hôtel. Elle était là, elle travaillait fort à l'entraînement. C'était la pesée IBF pour le lendemain de la pesée officielle pour Lafrenière et son adversaire, Gonzalez. Mademoiselle était très active dans le gymnase. C'est à y penser parce que c'est une défaite. Il ne pourrait pas se permettre de perdre ce combat-là contre un novice, il faut bien dire. Et en plus, ben, il y a eu de durs combats là, dans ces derniers combats. Et avant de se faire faire mal, on est chez les poids lourds et il y a plusieurs chutes au tapis. Moi, sincèrement, dans son cas, je pense qu'il était champion canadien chez les amateurs 2006, champion canadien 2013. On a vu les limites d'Éric Martel Baoli. Mais je pense que c'est un bel exemple de quelqu'un qui est très impliqué dans la communauté. Au niveau de la boxe, continuer, ça serait, je pense, bien très dangereux. Selon moi. Mais ça, c'est pas à moi de décider. Sage parole quand même à Éric, effectivement, de décider. Alors, on va aller pour l'annonce officielle de tout ça, en compagnie de Christian Gauthier, bien sûr. À nouveau, sur le ring, à l'instant. Mesdames et messieurs, le gagnant de ce combat par KO à 2 minutes 1 seconde du cinquième round est nouveau champion des poids lourds du WBU. Ladies and gentlemen, the winner of this bout by knockout at 2 minutes 1 second of the fifth round, a new WBU heavyweight champion, Adam the Boogeyman!
Gallet du Nouveau-Brunswick, qui est représentant de WBU, qui lui, maintenant, lui installe la ceinture. On a eu beaucoup d'émotions dans ces cinq rounds, Mario. Il y a une affaire, ça a été tout un divertissement, là. Ça a été tout un divertissement. On va aller retrouver Dave, qui va s'entretenir avec le gagnant, qui pourrait devenir un chouchou du public québécois, là, s'il revenait le boxer de sa catégorie. Dave, revoir. À toi. Avec Adam, what a fight. You were asking for more. Oh, fuck, I love to fight, boy. I told everybody to go to Quebec City. We got to fight our ass off. Hell yeah. I love you, Quebec City. Happy back to fight, baby. I want to fight all the time. Adam, what was the strategy tonight? Well, we had a really good strategy. Like, we kind of knew what he did. And then it was like, man, we're just turning into a fight. Who cares? And then it started to work, so that was good. And then we talked to Uncle Ron, see what Uncle Ron says. Uncle Ron, what did he say, bro? He said, good job, knocked him out. Adam, what does it mean to you to have the belt tonight? I'll tell you straight up, man. Less than 2 years ago, I was in prison. I was a drug addict. I didn't have nothing. I got out. I said, all I want to do is fight people and make a life for myself. And that's what I did. If you never quit, you can do whatever you want. Now I'm a world champ. Adam, thanks for the fight. Good luck with the rest. Thank you, thank you. Thanks for the show. Thank you. Last word. Last word for the people. Train, bro. You have to train every day. Ask Uncle Ron.